Salut les gamers, on se retrouve dans la vidéo d'installation de mon simulateur JCL Racing. Ça a pris pas mal de temps, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Je vous explique tout dans la vidéo, on se retrouve après. À tout de suite. Bon voilà, on se retrouve dans la partie montage. Alors vous avez vu, la première chose que j'avais en main, ben, c'était la notice. Donc ça, il faut déjà la lire une première fois en entier pour voir ce qu'on va nous demander, voir dans quel ordre, et puis comprendre un petit peu comment ça va se passer. Voilà, donc je vous ai mis la vidéo en accéléré, bien sûr, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Je voulais vous épargner ça. Le montage est assez long. Je dirais un petit peu compliqué parce que toutes les phases ne sont pas, à mon goût, super bien expliquées. Donc pour un novice, eh ben des fois on est un petit peu perdu. Donc ça, lire la notice, c'est ce que je vous conseille, et d'ailleurs ce que conseille également JCL Sim Racing. C'est marqué tout au début de la notice, vous ne pouvez pas l'oublier, c'est marqué en rouge. La deuxième chose importante, c'est le serrage de ce que vous voyez, là, les équerres que je suis en train de mettre rouges. Il ne faut pas les serrer trop fort. Pourquoi ? Parce que vous allez être amené à ajuster plusieurs fois votre châssis, les réglages pour pouvoir mettre le pédalier, etc. Vous allez voir, d'ailleurs, pour le pédalier, j'ai un petit peu galéré. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai un pédalier T3 PA Pro et je pense que j'aurais mieux fait de mettre un petit châssis alu sur le support plutôt que de le fixer comme ça. Voilà. Donc ça a pris pas mal de temps, comme je vous l'ai dit. C'est un petit peu compliqué, donc il faut se poser, mettre tous ces éléments, pas trop comment je l'ai fait, parce que moi j'ai mis tout ce que j'ai déballé, je l'ai mis, vous voyez, d'un côté les morceaux d'alu, de l'autre côté les équerres, les vis, etc. Je pense qu'il faut mettre par paquet de ce que vous allez monter. Moi j'ai commandé la base, qui est le châssis, et puis j'ai rajouté le support 3 écrans, et j'ai fait aussi du do it yourself pour mettre un support pour mon PC que je fixerai à l'arrière de mon siège baquet. Donc j'aurais mieux fait de séparer au moins ces trois éléments pour pas avoir toutes les pièces mélangées. Ça c'est un conseil aussi que je vous donne, que malheureusement je n'ai pas fait, mais je me suis vite aperçu que je pouvais me tromper. Par un moment il parle de vis, alors en 20 mm, en 16 mm, moi j'avais déjà pas pris les bonnes. Pourtant c'est plutôt pas trop mal expliqué, mais vous savez comment on fait, on a lu une première fois comme on nous l'a dit, mais après on lit en travers un petit peu, et donc il faut bien suivre les explications, même si je pense que elles auraient pu être un tout petit peu plus détaillées, parce que la notice qui est donnée est un petit peu généraliste, et je me suis retrouvé dans des situations où je trouvais pas vraiment l'info, donc je revenais à la page la première page pour voir un petit peu comment était fait le dessin pour comprendre un petit peu ce qu'ils expliquaient. Voilà. Maintenant tout est quand même marqué dans le manuel, ne vous faites pas peur, mais il faut bien le lire, et c'est d'où le conseil de le lire une première fois. Voilà. Ensuite, il faut faire attention à ces longueurs de vis. Voilà, comme je vous l'ai dit, alors les pochettes sont repérées, normalement pochette 1, etc. Néanmoins, bien regarder la longueur, parce que vous pouvez être amené à prendre des vis trop grandes et à forcer sur le châssis. Tout s'emboîte parfaitement, tout est parfaitement ajusté, les longueurs, etc. Donc il n'y a pas à forcer. Si ça coince, c'est que c'est vous qui vous êtes trompé. D'ailleurs, à ce propos, JCL Racing le dit aussi très bien, il est important pour
les équerres croix, hein, vous verrez, elles ont tout un nom, et ben, d'utiliser en premier le trou le plus proche. Effectivement, il y a deux trous, hein, dans les équerres, forcément, et ben, ils sont désaxés. Voilà. Donc il faut, en premier lieu, prendre le trou le plus proche de l'angle intérieur de l'équerre croix. Voilà, ben, quand on a déjà une heure et demie de montage, ben, des fois, on se trompe. Voilà, ben, il faut recommencer, il faut redévisser, parce que la deuxième vis, eh ben, elle ne passe pas dans le trou. Voilà. La deuxième chose aussi que je n'avais pas vraiment saisie, vous verrez, il y a des écrous pardon, qu'ils appellent post-montage. Ces écrous, moi, je les glissais dans les fentes de l'alu, voilà, à chaque fois. Et je me suis retrouvé à un moment donné où tout l'alu était posé et il n'y avait plus moyen de glisser cet écrou post-montage. Mais je pense que s'il a le nom là, c'est parce qu'on peut les mettre, vous voyez le petit écrou que je glisse là, ben c'est qu'on peut les mettre directement sans les glisser depuis un des bouts de la barre d'alu. Voilà, il faut simplement l'insérer légèrement en biais et pousser. Et en fait, il y a une petite bille avec un ressort eh bien, qui fait que eh bien, cet écrou post-montage, comme son nom l'indique, peut être monté quand tout est fermé, quand il n'y a pas moyen de le glisser. Et c'est super pratique. Voilà, alors faites pas comme moi. Ne vous inquiétez pas à vous poser la question, ben là du coup il faut que je redémonte tout ou il faut que je les prépare avant. Non, pas du tout. Vous les insérez voilà, un petit peu en biais, vous poussez et il va se mettre en place. Alors sur tout le lot que j'ai, hein, les lots des crous post-montage, j'en ai quand même beaucoup pour monter toutes les équerres. J'en ai juste eu un où la petite bille elle ressort. Si vous voulez, ne maintenez pas en place. Donc, si je mettais le châssis dans sa hauteur, cet écrou glissait, alors que les autres, pas du tout. Ils étaient parfaitement maintenus. Voilà. Là où j'ai eu la plus grosse difficulté, ben, comme je vous l'ai dit, et puis comme on le voit à la vidéo, c'est pour le réglage de mon pédalier. Tout simplement parce que je pense que c'est pas ce système qui était le mieux pour mon pédalier. Alors je vous répète, c'est un T3 PA Pro. Maintenant, j'ai fait avec, hein, je pense que je le modifierai dans le futur. Il y a quatre petites équerres. Alors, c'est ce qu'on appelle les équerres plates, donc qui sont censées maintenir le pédalier. Et ben moi, j'en ai mis que deux sur les quatre que j'ai parfaitement serré. Et les deux autres, les plus en haut que vous voyez, sont simplement là pour être calés sur le pédalier. Le pédalier repose dessus. Voilà. Ça pourrait être éventuellement... ça pourrait faire partie du configurateur de chez JCL. Pourquoi ? Ben, en fonction de ce que vous lui mettez comme élément déjà en votre possession, notamment les pédaliers, ça peut être aussi le volant, hein, parce que les volants étant différents, si c'est un T300 ou si c'est un direct drive, etc., je pense que ça pourrait être un peu plus intuitif. Vous demandez quel matériel vous avez et du coup, vous proposez tel ou tel support. Voilà. Moi, je pense concrètement que celui que j'ai n'est pas le bon. Maintenant, vous voyez, si je mets une petite plaque alu dessus, que je visse sur le support JCL et que je perce pour mettre ensuite le pédalier, ça fonctionnera très bien. Mais je pense que c'était pas celui-là qu'il fallait. Alors du coup, c'est pas facile à régler. Vous voyez, il faut avoir un mètre à portée de main. Ça fait partie des outils que je vous conseille d'avoir, en plus des clés Allen qui sont bien sûr fournies. C'est le mètre, parce que vous allez devoir vérifier la longueur de l'alu, hein, du profilé alu. Bon, il y a du 250, il y a du 500, on ne peut pas se tromper, mais il peut avoir quand même des petits doutes sur certains. Moi j'ai eu sur certains où il n'y avait pas une grande différence de longueur. Voilà. Mais le mètre va surtout vous servir eh ben, à régler
les différents éléments pour qu'ils soient symétriques. Le pédalier est plus à droite, plus à gauche, ou le volant aussi, non, c'est bien de centrer tout ça. Donc toujours le mettre à portée de main. Voilà, ensuite, je me suis attaqué au support de baquet. Donc moi, je vous le rappelle, mon baquet, c'est un OMP, un TRS-E. Donc j'ai voulu mettre une glissière parce que c'est plus facile pour avancer le siège et régler votre position de conduite. Là aussi, je trouve que c'est expliqué, mais ça pourrait être mieux expliqué. J'ai un petit peu galéré pour les écarts, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. La seule chose qu'il faut voir, c'est une fois que votre glissière, alors vous verrez, c'est en trois parties, hein. Il y a la glissière droite, gauche, et puis au milieu, la barre qui relie les deux, et ce qui, hein, vous le soulevez pour faire avancer ou reculer cette glissière. Si vous ne mettez pas cette barre, c'est extrêmement dur de faire avancer les glissières l'une ou l'autre, et du coup, de visser sur le châssis. Mais voilà, hormis ça, j'ai vissé mes deux glissières et puis ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble. Voilà, je dirais juste qu'en résumé, c'est assez long. Prenez votre temps, lisez bien avant, ne vous trompez pas dans la visserie et puis réglez tout, mesurez tout et puis tout va se passer, tout va bien se passer. Voilà. Bon voilà, on va s'arrêter là pour la première vidéo. Vous avez vu, ça a duré déjà pas loin de 13 minutes en accéléré pour faire la base, régler le pédalier et commencer à installer la base aussi du baquet. En vrai, ça a pris pas mal de temps. Je vous ai épargné ça. Il nous reste encore pas mal de choses à faire, l'installation du baquet, l'installation du châssis volant, également le support triple écran puisque c'est ce que j'ai pris. Et bien voilà, on continue dans la prochaine vidéo. Moi je vous dis à très vite, n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, les commentaires également si vous avez besoin de précisions sur cette première phase, hein, sachant qu'on va continuer dans les prochaines vidéos sur l'installation du reste. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la prochaine vidéo et puis tout simplement pour me suivre. Allez, je vous dis à très vite et peut-être dans la prochaine vidéo. Bye bye.